Monsieur Francis Ngannou, on attend la ceinture. Nous allons fêter directement dans ta fondation. I'm Ronald, the CEO of Kame Expos Incorporated, 1 week after the UFC 260 fight challenge. We are here in the hometown of Ngannou, Francis. So we are going to be getting the thoughts of the people of Batie. And it should be noted here that Cameroon is a bilingual country, French and English. So since the town of Batie is found in the French-speaking part of Cameroon, so we are going to be making these interviews in French. So please, you guys are going to excuse my French. Ngannou took over the championship from Maochik last week. That was Saturday. So we are going to be meeting the people of his hometown and getting first-hand and undiluted information. They are going to be sharing us their thoughts on, first of all, whether they watched it live and how they feel about it. We don't know yet, but we hope it's going to be good. So stay tuned. Par rapport à ce combat, vraiment c'était à féliciter. Le fait qu'il ait battu le champion et qu'il devienne le nouveau champion, vraiment c'est à féliciter. Et ça fait la fierté du Cameroun, la fierté de nous, ses frères Batie. Et vraiment, on ne peut que l'encourager à conserver cette ceinture-là pour le plus longtemps possible. Vraiment. Donc, partout où nous marchons maintenant, nous sommes fiers d'être Batie. Aussi par rapport à ses efforts. Quand on dit voilà, le frère de Francis Ngannou, tu es fier de te vanter. Merci. Merci. Bon, on va voir que par rapport au combat, le combat était un peu rude. Ça n'a pas été facile aussi pour lui. Et pour finir, il a fini par s'en sortir. Ça veut dire que c'est vraiment notre champion. C'est que moi je peux dire sur le combat. Et si on dit que s'il était devant vous maintenant, quel est, vous pouvez lui dire comme un conseil ou je ne sais pas. Bon, non, on lui conseillerait seulement d'aller avec son travail de l'avant. Et d'avoir beaucoup de victoires. C'est ce que nous veut. Merci. Il est un champion du monde. S'il a bien fait ça, il a bien fait son travail. Nous sommes fiers. Et quand il était ici, tu. Non, c'était mon enfant, mon mari. Il était un enfant travailleux, courageux. Oui. Il donne bon courage. Qu'il passe de l'avant avec son travail. Comme un conseil que tu lui donnes. Oui, qu'il passe. Parce qu'il va voir. Qui part de l'avant. Okay. Dieu lui donne toutes ses forces, qui travaille plus que ça. Ils viennent donner le mangeur. Oui, nous attendons au mariage seulement. Okay. Oui, oui. Merci. Je suis d'abord plein de joie. Je suis d'abord plein de joie. Et tu vois, mon œil est qu'en route. J'attends Francis Ngannou, Francis champion, champion. C'est lui que j'attends. Dès que le nez de sa voiture, ça va faire boum ici. Ça va faire boum dans notre secteur. Vraiment, c'est un enfant courageux. Voilà. Moi, je suis même l'une de ses femmes. Oui, je suis la femme de son grand-père. Okay. Oui, oui. Toutefois qu'il arrive là, il ne peut pas galer sans faire la tête comme ça. Il fait comme ça, il me voit, il dit « Angèle, ma Angèle !» Non, il ne m'appelle pas de nom. Il dit « Ma Angèle !» Et je m'approche vers lui, je le salue. Et vraiment, c'est un bon garçon. Il est né comme ça. Hein? Il est né, c'est sa chance, c'est son don. Nul ne peut le limiter jusqu'à réussir. Parce que quand quelque chose n'est pas ta part, tu peux avoir, même pas magie. Les gens vont dire ceci, cela. Il est né avec, je sais. Dieu avait déjà écrit dans son agenda qu'il va réussir et arriver là où il est arrivé là. Qui sera ce qu'il est aujourd'hui? Moi, ce que moi, je peux dire. Voilà. Par rapport à la victoire de Ngannou, comme je disais, c'est vrai que le respect de la hiérarchie de l'UFC qui a été rétablie.
Parce que comme on le sait depuis longtemps, Ngannou était le numéro 1 avec le meilleur coup de poing, le plus fort du monde et tout. Même s'il avait perdu son premier combat contre Miocic au poing, on savait que à tout moment, l'ordre allait être rétabli et c'est ce qui s'est passé l'autre jour. Ngannou a gagné son combat haut les mains comme il a gagné ses combats précédents. On a dit qu'on attend tout ce qu'on peut dire à Francis, c'est qu'il apporte sa ceinture, on va fêter ensemble. Oui, c'est la même chose. Oui, oui, Christelle Traditional House. Monsieur Francis Ngannou, on attend la ceinture, nous allons fêter directement dans ta fondation. Quand même, c'est un grand champion, il a mérité. On attendait que ça donne, c'est-à-dire on connaissait même déjà. Il nous a promis qu'il devait rentrer avec la ceinture et c'est un concept qu'il devait rentrer. C'est un grand frère qui tient toujours à sa promesse. Quand il dit que c'est comme ça, on attend. Donc, nous sommes vraiment, on peut dire que nous sommes très émus. C'est un grand frère. Donc c'est notre champion. Notre champion aussi. C'est un exemple pour nous à suivre. Et si on dit que peut-être s'il est devant vous maintenant, si tu sais qu'il va voir la vidéo, ce que tu peux lui dire. C'est quelque chose que tu as dit, mais ça.